soit un triangle ABC, le point A' milieu du segment BC, le point B' milieu du segment AC, le point C' milieu du segment AB et le point G, centre de gravité du triangle ABC. On nous demande ici de démontrer que vecteur GA' plus vecteur GB' plus vecteur GC' est égal au vecteur nul. Nous commençons par tracer un dessin correspondant et par rédiger l'hypothèse. La thèse, c'est que la somme de ces trois vecteurs, GA', GB' et GC', donne le vecteur nul. Pour démontrer cela, nous allons nous servir de cette propriété du centre de gravité G d'un triangle, propriété que nous avons démontrée dans le tutoriel précédent, vecteur 0, 12. Nous calculons cette somme de GA', GB' et GC' en remplaçant le vecteur GA' par moins 1/2 fois le vecteur GA. Regardons, GA', c'est bien moins 1/2 fois le vecteur GA en vertu du théorème des médianes. Nous faisons la même chose pour le vecteur GB'. Le vecteur GB', c'est moins 1/2 fois le vecteur GB, et le vecteur GC', c'est moins 1/2 fois le vecteur GC. Tout ça en vertu du théorème des médianes. Dans cette somme vectorielle, nous pouvons mettre moins 1/2 en évidence, et entre parenthèses, il reste exactement la somme vectorielle qui est écrite là, et qui vaut le vecteur nul. Donc, comme cette somme vectorielle, c'est le vecteur nul, nous obtenons effectivement comme réponse finale pour cette somme vectorielle-là, le vecteur nul. Et c'est exactement ce qu'il fallait obtenir. Par conséquent, la tâche est déjà terminée.